Au Royaume-Uni, une minute de silence a été observée dans la ville de Reading en hommage aux trois personnes qui sont mortes poignardées le week-end dernier. Parmi les victimes se trouvait un professeur d'histoire et son ami américain. Trois autres personnes ont été blessées. La secrétaire du ministère de l'Intérieur, Priti Patel, a visité le site des attaques lundi et s'est entretenue avec les policiers qui mènent l'enquête sur l'incident. Celui-ci est considéré comme une attaque terroriste et un Libyen de 25 ans est en garde à vue. Les responsables ont déclaré que son motif n'était pas clair à l'heure actuelle.